C'est parti, mon kiki. Alors, hop. Tiens. Vas-y. Hop. Laisse-moi prendre possession de ça. Merci. Ensuite, quelques pièges. Hop. Je vais voir ce que je vais trouver d'autre. Ok, ça c'est fait. Je t'en prie. Ok. Je veux bien. Merci. Ça cherche toujours. T'es où? Des cristaux. Prenez. Merci. Tenez, Booker. C'est parfait. Ok, vous êtes où, bande de naze? Ok, ça c'est fait. Tiens. Maintenant. Très bien. Vas-y, finis-les. Pew. Bon, ce qui m'appelle être une affaire rendement menée. Hop. Un instant. Ouais. Pardon. Alors, hop, les cadavres. Bon, bah, je commence un petit peu à comprendre les subtilités des jeux. Il faut savoir que, entre le dernier épisode et celui-ci, une nuit a passé. J'apprécie, peut-être avec un petit peu de retard, bah, votre engouement. En tout cas, pour les premiers épisodes, ça fait extrêmement plaisir. Alors, il faut savoir que j'ai baissé légèrement le son du jeu. Pas trop, parce que je considère que le son fait participe de beaucoup à l'ambiance, encore plus que ma voix. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi mis la traduction automatique sur les objets. Alors je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Non, probablement pas. Qu'importe. Je suis full, tout va bien. Et on va se casser. Et on rentre à la maison. C'est un lance-roquette ça. Ah non. Prends-moi mon fusil à pompe. Ça, c'est bien. Ah. Boxophone. Vétéran, c'est vous qui avez versé votre sang pour Columbia, perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie. Comstock n'a rien fait, lui. Et pourtant, regardez quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui. À chaque coin de rue, comme une gifle. Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir? Nous devons prendre position. En fait, j'attends avant d'enchaîner, parce que... De véritables héros. J'attends la fin du vocal, hein. C'est pour ça que des fois je reste en pause. Hop, et c'est parti. Hop, hop, s'il te plaît. Hop. Ok, il est où? Je l'ai contourné, c'est Salopio. Ok, je sais pas. Hop. Vous avez besoin de ça. J'en veux bien. Merci. Phew. Respirons un peu. Hop. Élixir. Qu'est-ce que je peux balancer? Le truc du diable. Ah, c'est par là, hein. Merci. À mon avis, il est mort. Là, celle-là. Je m'en occupe. Oh merde. Quel con. Ok, c'est bon. Retour au calme. Phew. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Pour le patriote, est-ce que je peux monter? Où faut-il aller? Alors oui, le menu du jeu.
que je ne savais pas l'existence, ou que je ne savais pas comment aller dans la précédente session. Donc là, ce sont les vêtements que je porte et je constate que je n'ai pas de chaussures. C'est possible de rajouter des chaussures? Non, a priori non. La veste? Ah non, c'est déjà les chaussures. Il y aura un quatrième qui correspond à je ne sais quoi, au pantalon. J'ai pas encore trouvé de fut. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les améliorations des armes, très intéressant. Ça permet d'avoir une vision globale de mes améliorations. Hop, ici, les améliorations de mes toniques. Et ici, les voxophones que je peux revenir écouter. Donc voilà, aucun problème, je peux couper, revenir et retourner au mémorial, alimenter la nacelle. Ok, retourner au mémorial. Ok, donc on va essayer par ici. Qu'est-ce qu'il m'indique? C'est par là. Le mémorial, je sais pas où c'est moi. Par ici? Hop. J'essaye. Et on se casse. Bien. Oula, il y a du monde. Et j'ai pas du tout ce qu'il me faut comme flingue. C'est bien ici, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il me faut? On va tenter corbeau. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Hop, toi, tu vas t'envoler. Envoler, c'est la déferlante. Ok, ça c'est fait. Ok. Tenez, Booker. Merci. Merci. Comment ça? Tu me traites de mauviette? Bon. On m'appelle le nettoyeur. Hop. Monsieur DeWitt. Moi, c'est Booker. Je ferai un effort pour essayer d'y penser. Booker. Fanta, Booker. On arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. Est-ce qu'il reste un cadavre? Non, ça c'est... Est-ce que je garde? Non, je vais jeter le lance-roquette. Hein. Quoique. Ça peut être précieux contre des gros trucs. Il reste en fusil à pompe. On y va. On y va. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? 3. Ce sera mienne, a dit le prophète. Ok. Oh mon dieu. Voilà, ça c'est fait. J'aurais pu prendre possession de lui, mais c'est pas grave. Combien il me reste de munitions? Comstock, agenouillé face au ciel, y vit une prophétie éternelle, un Éden flottant dans la brume, béni des cieux, renié par l'homme. Phew. J'avoue quand même être quand même stressé en cours de partie. La peur de mourir. Je sais pas si ça vous le fait. Ah oui, je me rappelle. Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais, là. C'est faille. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement?
Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais ? Et t'as appris quoi, au juste ? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. D'accord. Disons la matrice. La cuillère n'est pas réelle, Léo. Non, la cuillère n'existe pas. Patriote motorisé, ça pourrait me servir en cas d'attaque. Mais est-ce bien là que je dois aller ? Oui. Ok, purée. Au cas où, j'anticipe pour le Patriote. Appeler la nacelle. D'accord. La nacelle arrive. Ok. Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes ? Comstock. Père, prophète, qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. À mon avis, ça va péter. Elisabeth, c'est le moment. Booker, des roquettes. Elisabeth. Compris. Putain. Ah oh. Ok, ça a marché. Ah, a priori, je peux grappiner le truc. D'accord. Merci. C'est parfait. Mais ça me dit pas comment j'y vais. Allez. Oh putain. Comment on fait, putain? Ok, d'accord. C'est quand même assez chaud. Je maîtrise pas encore totalement l'environnement. Ça bouscule. Comment je peux faire? Normalement, il y a moyen de leur graffiner la gueule. Putain, il y a du monde. Eux aussi, ils font le grappe-ciel. Oh, bah merde, elle est avec moi. Ah putain, bah c'est Disneyland. Hein. Hop. Hop. Ok, là c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Tiens, c'est la bête. Okay. Merci. Précision. D'accord. Putain. Ok, lui, c'est fait. Tu crois ? Bah, j'allais te dire la même chose. Ah ! Ah, c'est là. Oh mon dieu. Les grenades.
bien vous... D'accord, il faut viser les engrenages du truc, quoi. Ok, je vais finir l'autre parce qu'il me gêne, clairement. Et j'aimerais viser les engrenages, ce qui est fait, et à mon avis, I'm bon, I'm totally bon. I did what I had to do. Sans compter d'être une brutasse. De la mort qui tue. En anglais. Prenez votre temps, je peux rester là. Ok, à tout de suite. Je fais un tour gratuit. Hop. Hop. Ouh. Ah. Piou. Alors, j'aurais bien pris de la vie. Ma petite Elisabeth. Si possible. Je vais être obligé d'aller en acheter à défaut de le trouver sur des cadavres. Y avait-il pas un distributeur dans le coin ? A priori, oui, puisque je l'entends. Salut! Oh mon dieu, trop fort. non, c'est F. Kit de soins, ça c'est fait. Cristaux, c'est fait. Et des munitions, de lance-roquettes, via pompe. Hop! Allez, vas-y, cours. Ah, quand on veut. C'est cool, la nacelle. Tu pourrais mourir ça. Laissez-moi voir ça. Ah, le ciel trace. Et voilà. Pfiou. Quand même, il est rythmé, hein. Je... Parfait. Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée, c'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt ? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là ? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer ? Par pure charité. Qui vous envoie ? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes. Pour mettre la main sur toi. Oh mon dieu. Pas de charité. Hop. Ok. Sur ce coup, ils auraient pu aller un peu plus vite. Il y avait une boîte à outils ici. Ok. Ok, hop. Fusil de précision. Peut-être. Ah non, fusil normal. Le démon brûle, le salaud. Badlen 150. Ah ouais? Rapprochez-vous de moi, c'est ce qu'on va voir. Alors c'est de quel côté? Ah, ils sont passés quand même! Ah, ça j'ai jamais fait. Donc les exécutions aussi, ça va être une découverte pour moi, j'en avais jamais fait encore.